Bonsoir. Wow. Merci. Wow. Gêné, arrêtez ça, Colin. Hey, je suis content d'être là. Du beau monde. Baptême, saviez-vous qu'il y avait une captation délai? Tout propre, tout beau. Hein? Hey, content d'être là. Puis la première vraie main d'applaudissement, j'aimerais ça que vous l'offriez à vous autres parce que c'est grâce à vous autres que je peux faire mon métier. Merci beaucoup. Ah, ouais, ben c'est ça. C'est ce soir qu'on va tourner le film, dans le fond, de mon spectacle. Je sais que c'est pas évident. Je suis pas habitué de travailler avec ça. On va essayer d'oublier ça, puis on va essayer de se faire un petit concert intime de niaiserie. Ouais, ça va vite. Déjà un nouveau spectacle, MacLeod 2, libéré sur parole. Ceux qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire que je suis libre. Libre de dire qu'est-ce que je veux. Ça va défriser, madame, tantôt, vous allez voir. Parce que dans le premier spectacle, on m'a reproché beaucoup de choses. On a dit que je sacrais beaucoup. Même si j'avais expliqué aux gens que c'était dans le texte. Dans le nouveau spectacle, il n'y a aucun sac. En tout cas, si vous n'entendez un, c'est de l'improvisation. On a même dit que j'étais misogyne, que j'étais dur avec les femmes. Non, mesdames, je vous aime. Je vais vous le prouver tantôt, OK? On a même dit que j'étais contre les femmes féministes. Voyons donc. Ouais, c'est un gars comme moi qui se raconte les femmes féministes. Une fille qui paye au restaurant, qui sort des vidanges, elle se tire rien contre ça. OK, nous, on va faire un petit survol d'actualité où qu'on s'en va, où qu'on est rendu dans cette espèce d'univers de gens politiquement corrects. Ça me fait chier, cette expression-là, mais en tout cas. Plus de doigts de rien dire, plus de doigts de rien faire. Hey, plus de doigts de fumer en nulle part. Y a-tu des fumeurs dans la salle? Oui! Oh, plus de doigts de fumer au McDonald's. J'allais là pour ça, moi. Hey, tu vas pas me dire quand tu manges au McDo que ça boucane va te rendre malade, c'est voyons. Sur le paquet, c'est écrit que la cigarette tue. C'est vrai, allume-en une dans un restaurant au moins de se faire tirer une fourchette en arrière de la tête. J'ai réalisé avec les années que la cigarette, il y a quelque chose qui est devenu parallèle à ça, veux pas. C'est le cancer. Je dirais même plus l'esti de cancer. Sont-tu fatiguants avec cette maladie-là? Hein? Il y en a un nouveau à tous les semaines. Ah, il y a le dernier que j'ai vu, apparemment, que le rouge à lèvres serait rendu cancérigène. Calice. Et puis j'ai là un article qui disait que la pipe donnait le cancer de la gorge. Mais l'article disait pas quelle pipe, fait que ma blonde et mon grand-père sont stand-by. Maudit cancer. Ça fait des années qu'ils font des télétons pour trouver un remède pour ça, mais ils trouvent jamais rien. Mais vous remarquez, ils n'ont pas eu besoin de faire de téléthon, mais ils ont trouvé une pelule fait bander les petits vieux. Ils vont tous les tuer. Alors, je m'excuse, à 85 ans, le cœur marche pas avec la graine, OK? C'est comme mettre un moteur de Corvette d'une chevette. Hey, pis c'est dangereux, le Viagra, mes grands-parents, ils essayaient ça. Est-ce que ma grand-mère a recommencé à porter des G-string? À part de ça, dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, fuck, j'ai lu quelque chose, j'ai trouvé ça cute, par exemple. Avez-vous remarqué ça, depuis toutes les maires des villes, la police, les politiciens, tout le monde se met ensemble, ils veulent tout arrêter, hein? Ils veulent arrêter les motards, ils veulent arrêter le crime organisé. Mais il y a de quoi que j'ai trouvé drôle? Permettez-moi de rire un brin. Ils veulent arrêter la prostitution. Comme si c'était dur d'arrêter ça, une prostituée. Ils ont 10 pouces de talons, ça doit pas courir vite, calvaire. Hey, ils sont tous là, comment on va faire pour arrêter la prostitution? Tu rouvres le journal de Montréal, il y a 4 paires de prostituées avec un numéro de téléphone. Je suis pas dans la police, mais je sais pas, moi. J'appellerais, j'essayerais. Ça y va, il y a des bonnes chances à essayer ça, hein? Ils se demandent comment faire pour arrêter la prostitution. Mettons, on arrive sur le coin d'une rue, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Il y a une fille de 6 pieds maquillée comme Patoff qui t'envoie la main, qu'une jupe sur le bord de l'anneau. C'est elle, elle se tient en barque là, voyons donc. Quoi que c'est peut-être Varda. Oh.
On le passera pas à TV, ça va là. Puis ils disent que les prostituées s'en viennent technologiquement assez avancées. Ben oui, je n'ai vu une qui prenait Interac. Oh. Je te dirais pas qu'elle passe à la carte. Puis ils disent que c'est le plus vieux métier du monde, mais ça, je le croirais. N'ai vu une l'autre soir, je pense qu'elle fait partie de ceux qui ont commencé ça. Hey. Ouais, c'est ça, la grimace avec moi-même. Oui, madame. À part de ça dans l'actualité. Hey, j'ai fait un parallèle entre la politique aux États-Unis pour Québec, pour Canada. Tu sais, les Américains, comment ils sont bec, hein? Ils l'ont, les Américains. Les sénateurs, les présidents, ils reçoivent des lattes d'anthrax, ils reçoivent des balles de carabine chaque bord de la tête, des menaces de terrorisme. Sans gaulis. C'est là que ça passe. Mais ici, au Québec, au Canada, ils sont stressés. Ils reçoivent une tarte, puis ils capotent. Un petit fif de calice. Voyons donc. Voyons donc. Hey, c'est pas dangereux, c'est une tarte. Check bien, mon chrétien va se promener avec une veste par tarte. Non, mais t'as-tu vu un gars faire un dépanneur à tarte armée? Voyons donc. Ou t'es d'un bord, il rentre un gars avec un grand manteau noir, tout le monde se pitch à terre. Attention, il y a une tarte! Ben non, c'est sa nouvelle blonde! Oh! Tchoubing, tchoubing, tchoubing. C'est une blague, les filles, c'est une blague. Tu te sentais? À part de ça, dans l'actualité, oh fuck, ça, ça m'a fait de quoi. En plus, M. Mongrain en a parlé dernièrement au Grand Journal, j'étais content. Paraît qu'au Québec, on a de plus en plus de bien-être social. Comment ils font pour se reproduire, occupés comme ils sont? Ça, c'est un esti de race. Je vais vous le dire ce que je pense là-dessus, moi. Hey, je voudrais pas vous penser que je porte des jugements à tort et à travers comme ça. Moi, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, qui en a vraiment besoin, j'y en donnerais 10 fois puis 100 fois pour qu'il y ait une qualité de vie. Moi, je parle des hosties de BS de père en fils. Puis j'ai lu un article qui disait qu'un BS sur 3 déjeune pas. Hostie, se lève à midi, tabarnak! Fait du bien, celle-là. Parce que j'en ai un BS à côté de chez nous. C'est triste, par exemple. C'est à peine si c'est assez d'argent pour mettre du gaz dans son char pour aller au casino. À part de ça dans l'actualité. Ah, oh, ben ça, c'est plus cute que d'autres choses. J'ai lu un article dernièrement, puis ils disent qu'il y en a de plus en plus, mais il me semble qu'on en voit de moins en moins. Apparemment qu'on a de plus en plus de végétariens. Soyons honnêtes. Par applaudissement, il y en a-tu dans la salle? Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Asti, m'en retourne de calice. Ça se peut pas, les végétariens. Là, il y a quelques sièges de libre, pas de 4 ou 5. Là, ça, ça n'est des végétariens. Ils sont dans le parking, ils essaient de détacher la ceinture du char. Avec un de mes chums qui est de l'île végétarien, c'est de la salade matin, midi, soir. Il est rendu qu'il recule la vinaigrette. Qu'est-ce? Souvent, les végétariens sont comme les carnivores ou les omnivores, mais je sais pas si ça, mais la salade, ça pose un jardin. Les jardins, c'est engraissé avec du fumier. J'aime mieux manger l'animal que manger sa marde, OK?